Oh, il y a quand même le temps de se dire bonjour les potes. On regarde parce que si elle bouge, ça peut être très dangereux. Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les potes et on a adopté une nouvelle personne. Donc il y aura plus que Xena, Pico, moi et Vova. Il y aura encore une personne, donc on sera 5 en tout. Il va falloir lui trouver un prénom d'ailleurs. Il va faire partie de la famille à part entière. Et puis elle est là quand même. Elle a pas bougé, c'est une folle. Les gars, dans les commentaires, n'hésitez pas à lui trouver un prénom. Je veux que tous ceux qui regardent cette vidéo mettent un commentaire avec une idée de prénom. Quand je la regarde, gros, je me dis... Aragog. Aragog. Tous ceux qui ont la ref, Aragog. Genre vraiment. Reste là. Ces moments-là, je préférais ne plus faire partie de ce monde. Vraiment. Explique-moi déjà pourquoi tu flexes en pyjama. Franchement, ça sert à rien de se voiler la face en confinement, je suis pas pimpée. Hein. Ça s'arrête pas de se dire, ah, machin, je vais me barber et tout. Non. Aujourd'hui, flemme, il fait froid, flemme, elle est insane. Tu l'as pris où? Tu l'as pris au refuge? Quoi, elle? Ouais. Xena, t'es une nouvelle copine? Putain, mais là, on n'a pas une lumière pour allumer là. Ils sont en train de jouer? Non. Dis-moi. Là? Ah ouais? Bah, elle a cramé, hein. Attends, mais c'est où la lumière pour allumer là? Bah, elle a pété. Non, mais elle a pété. Bon bah les gars en fait on se disait putain y'a pas beaucoup de luminosité mais elle a pété en fait. T'es sûr qu'on a pas un interrupteur? Non mais c'est ici en fait, non c'est ici ouais je... Ça fait un an que t'habites ici, je te jure. Je suis à la boule même hein. Et là en fait ça éclaire là et là vas-y je vais la changer après si j'ai une ampoule en rab. Arrête. Yo les potes, on espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu l'adoption qu'on a faite. Je la guette parce que... Vous allez voir, je pense que vous allez... Je sais pas si vous allez la kiffer, mais... Je suis pas sûre, mais on va voir. Avant de commencer la vidéo, les potes, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et à mettre le code Duo. Merci déjà à tous ceux qui rentrent le code Duo dans la boutique Fortnite, mais vous êtes encore plein à pas l'avoir mis. Donc il faut le mettre, les gars. Voilà. C'est très important. Comme ça, on va pouvoir donner des à manger à notre nouvelle recrue dans la maison. En vrai, c'est pas une espèce protégée, ça? Ça, là? Ouais. Non, je crois pas. Oh, regardez ce mécréant, wesh. Ah mais zoom là. Elle est immense hein. Non mais là, ouais. Là tu vois, là elle a l'air normale. Là ouais, frère, ouais. C'est quoi ce truc? Allez va pour une immense. Vous savez pourquoi j'ai une phobie des trucs comme ça, là, des fleurs de douche? Parce que j'ai trop peur que ça se pointe de... Mais regarde-le, tu veux la graine? Il est monté dans la baignoire, je rêve, tu veux te doucher? On va se laver. Wesh, il est fou ce chien. Oh, non, mais les gars, je vous jure. Non, mais quelle atrocité de la nature, c'est pas possible. Approche-toi, monte. Non, mais. Si, mais monte. Ah, t'es obligé. T'es journaliste professionnel. Je veux pas mourir. Oh. Ah. Je suis en train de tout casser. Regardez ça. Ah. C'est même pas une araignée, c'est ça. Non, mais va, franchement. Tu veux avoir une rapide vers toi? Il me fait quoi, les chiens? Il me l'a bouffé, il me l'a bouffé. Pico, sortez. Allez. Ce genre, elle bouge un poil, je te jure que je me jette de la baignoire, mais vraiment. Fais attention de te faire mal. Allez, on respire tendrement, calmement. Regardez cette infamie. Elle est gigantesque. La meuf, elle fait la moitié du carreau. En vrai, non, en vrai, elle fait quelques centimètres, mais c'est un beau. Elle fait la moitié du carreau, bam, elle fait la moitié du carreau. J'avoue, elle est grosse, quoi. Je peux pas mourir. Je tiens à dire un truc, les potes, c'est que ça fait quoi? Ça fait depuis hier, elle est là? Ouais, hier soir. Du coup, elle a pas descendu, elle a pas bougé depuis hier. Soir d'Halloween, elle a apparu. Elle a apparu le soir d'Halloween, j'avoue. Elle a pas bougé d'ici depuis hier en fait. Bah si, elle était sur le carreau là et elle est. Ouais, elle a bougé de 2 cm. Wow. Et du coup, ce qui fait que bah je prends plus ma douche. Non, parce que en gros, on peut pas la bouger en fait. Comment tu fais qu'on la bouge à part avec un balai? Quoi, tu lui donnes un coup de jet d'eau? Ouais. Tu veux essayer? Je sais pas. Ça se fait de noyer des araignées. Moi, je peux pas prendre une douche avec ça, bon. Genre vraiment, est-ce que c'est grave si genre je préfère ne plus me laver pendant un mois et que elle soit pas dans ma douche ou si c'est plus grave de la bousiller? Je sais pas, je te jure c'est atroce, non mais les gars, je te jure elle est atroce. Et encore celle-là c'est pas la plus grosse qu'on a pu voir, je sais. Ouais mais on a des sacs. Et nous je vous jure les gars c'est pas des araignées, c'est des tarentules les trucs, c'est des migales. Ah mais là les grosses elle fait au moins ça hein. Mais tu sais, c'est pas les. Il y en a, non mais vraiment, dites-moi, les gars, dans les commentaires, si vous avez peur des araignées, il y en a qui les prennent dans les mains, mais ils vous passent quoi par la tête? Ça pique, c'est obligé, ça tue.
Il y en a qui s'y connaissent par hasard en araignée. C'est une grosse araignée velue sur le corps et sur les pattes. Elle a les pattes super allongées sur le devant. Genre limite comme si elles allaient sur le devant, comme si c'était pas une araignée en fait. Genre en mode. Je sais pas, c'est une araignée. Oui, c'est une araignée, mais elle a les pattes vachement sur le devant en fait. Pas forcément sur les côtés, genre. Bon, du coup, tu veux faire quoi? Tu veux l'arroser? Je sais pas. Ça se trouve, elle va. Non, mais ça va dépendre de ce que vous nous dites dans les commentaires. Si vous nous dites, ouais, arroser la machin, elle va aller dans la baignoire, elle va faire sa life, tant mieux. Mais genre là, je veux plus me laver. Je veux plus, je vous jure, je veux plus. Rien à voir avec ces petites araignées là. Ah, il y a sa copine. C'est vrai qu'on a l'habitude des araignées parce que. Des petites là. Non, mais c'est. Ouais, ça c'est une petite, mais genre. C'est vrai que quand on laisse les fenêtres ouvertes pour les chiens, et ben en gros, ben, ça rentre, ça sort comme ça veut. Donc là, c'est correctement installé. Je sais pas d'où elle vient, mais. Attends, mais ça veut dire quoi? Genre, elle est montée par l'escalier, elle a fait ça, elle a fait coucou les raies, j'arrive, je vais me planquer là-haut. Ou alors elle est passée par la fenêtre de la salle de bain. Je crois que j'avais ouverte hier la fenêtre de la salle de bain. C'est l'erreur fatale du joueur français. J'ai vraiment envie de décider dans ces moments-là, je vous jure, hein, vraiment là, c'est. Genre, elle est immense! C'est le pire truc. Tu prends ta douche, elle te saute dessus ou tu t'en rends même pas compte. Tu penses qu'elle y sera encore debout? J'ai envie de vomir. Est-ce que faites les paris, parce que nous on va attendre de ce que vous nous dites dans les commentaires, genre s'il faut la bousiller ou pas. En attendant de trouver lui un prénom, le temps qu'on décide de son sort. Parce que je suis pas prête à lui ramener des petites bêtes, genre pour qu'elle mange, tu vois. Ah, parce que ça mange des bêtes? Tu penses qu'elle peut manger des picots ou pas? Non, mais bon. Horriblissime. Moi je pense que, heureusement qu'elle s'est planquée là-haut, parce que si Xena serait tombée dessus avant, je pense qu'elle aurait dégommé. Elle aurait dégommé. Bah, un jour il y avait une araignée un peu de ce style-là sur le mur. Xena a collé sa truffe sur l'araignée en mode baïstec, l'araignée a commencé à monter sur la truffe. Elle s'en foutait, mais moi j'ai paniqué. Je me suis dit, mais putain, Xena va se faire piquer la truffe, enfin voilà, n'importe quoi. Mais elle a peur de rien, ce chien. Et Piccolo non plus, il l'aurait dégommé, mais là, elle est un peu inaccessible. Hein. On n'avait pas prévu du tout d'avoir une araignée comme ça. Hein. C'est bien sûr une boutade, le titre, ou même ce qu'on dit quand on l'a adopté. On n'a pas du tout adopté une araignée. On n'a rien demandé, nous. Elle se recroqueville dans son coin. Elle a bougé ses pattes. Elle s'est allongée ses pattes, elle s'est recroquevillée dans le coin, cette grosse folle. Ça veut dire qu'elle se prépare à attaquer. Non mais arrête, tu penses que si je souffle, genre elle bouge? Je sais pas. Tu souffles pas assez fort, mais. Ouais, un coup de ses cheveux. Mais ça, c'est pas, j'y touche avec un bâton, accroché à un autre bâton et encore un autre bâton. Non mais arrête, elle m'a envie de partout. Elle veut pas. Elle s'en bat les couilles. Non mais c'est pas normal. Même Xena elle a peur. Regarde, c'est vrai ta fille. Elle s'en bat les couilles. T'as peur dans ses cheveux, Marie? Regarde, juste quand je lui pointe. Madame veut pas bouger. Go. En gros, c'est à nous de déménager quoi, genre. Alors attendez, je vous explique. On va condamner la pièce. Pièce condamnée, on ne peut plus y accéder les gars, cette pièce terminée, au revoir. Brosser les dents c'était un supplice parce que tu te sens obligé de la fixer pendant que tu te brosses les dents dans le miroir, tu vois, tu sais, tu la vois dans le miroir. Et t'es en train de te brosser les dents au calme, tu te dis, si elle va bouger, t'es mort. Si elle bouge pas dans tous les cas, tu vas mourir un jour, ça c'est sûr. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo les potes, bien sûr c'est de l'humour, on a adopté personne comme je vous ai dit. On va essayer de la faire partir comme on peut, et pas à nous donner des idées, je pense que ça appartient en coup de balai en vrai. Oh non, le balai elle va pas mourir, hein. Moi je pense que le mieux c'est le jet d'eau, genre... Oh, quelle atrocité! J'imagine, elle fait des bébés dans une canalisation. Ouais, non, merci, ça va. Non, franchement, ça va aller. On se retrouve bien sûr ce soir pour le live, les potes, et demain pour une nouvelle vidéo. Peace!